de notre... On va acheter du poisson frais. Au moins, on va essayer. Aujourd'hui, étant Aido Puja, la fête des instruments, ça va être très difficile de trouver des produits non végétariens, quels qu'ils soient. On va quand même tenter d'en acheter sur la plage d'Auroville, chez les pêcheurs directement. En chemin, je vais vous montrer des scènes intéressantes. J'ai lu quelque part que les corps des dieux qui consommaient trop de somras, la boisson divine, se déformaient. La déesse Kali, par exemple. Je ne peux pas questionner les dieux, mais si nous, on consomme trop d'alcool, c'est notre foie qui va se déformer. Radha Residency. Si Radha est là, ça veut dire que Krishna n'est pas loin. Cherchez. Aujourd'hui, la ferveur religieuse va être très poussée. Regardez, les prêtres se rendent déjà au temple si tôt. Partie de la superstition, des millions de citrouilles blanches vont être cassées pour enlever le mauvais œil. Des milliards de fleurs et de bébés bananiers seront sacrifiés pour faire de la décoration. Outils, meubles, véhicules, tout portera des signes de prière. Même chevalier, mon vélo n'a pas été épargné. Ah, un tuk-tuk sans guirlande, ça doit appartenir à quelqu'un d'une autre religion. Et c'est la ruée vers les temples pour les prières du matin. Fête égale pollution de bruit nécessaire. Écoutez donc le bruit du tambour, le tabil. Ça résonne partout dans les rues et je ne sais même pas d'où ça vient. Regardez donc le zèle superstitieux. Ils ont décoré un van abandonné. Vous savez, les corbeaux ne mangent jamais tout seuls. S'il y en a un qui voit de la bouffe, il rameute les autres. Il faut lire à voix haute le nom de ce restaurant. En sortant de la ville, j'ai vu des gitans. De vaillants nomades à l'époque. Regardez ce qu'ils sont devenus maintenant. En voici un couple avec un bébé. Ils sont en train de ramasser de la ferraille avec de l'aimant attaché à un bâton. Voici un autre groupe de gypsy, mais ceux-ci ce sont des imposteurs, je vais expliquer. Les hommes sont costumés comme des boum boum matkarin. Traduction, le boum boum homme à taureau. Ils traînent partout, de maison en maison, avec un taureau nain, dressé, prétendu astrologue. À leur passage, avec leur tambour qui fait boum boum, ça excite les jeunes filles qui leur donnent de l'argent ou du riz pour que le taureau prévoie leur mariage. Regardons un clip d'un vieux film. En attendant, celui-ci s'est arrêté à côté de moi en pensant que je lui donnerais quelque chose. Voici ce que j'appelle un dos d'un ambulant. Aïe, en voilà une qui bouffe du plastique. C'est qui ça? Quelqu'un qui essaie de traverser le highway. Where are you going? Youpi, j'ai sauvé un escargot. J'arrive à la plage juste à l'heure pour voir des pêcheurs entrer. Et c'est toute une scène. Regardons.
j'ai de la chance parce que c'est la seule barque qui a fait une sortie aujourd'hui. Les autres sont restés là à cause du Haida Puja. Je vais acheter du poisson, observé par des curieux et des touristes. Un curieux qui veut savoir comment j'ai installé la caméra sur le guidon de chevalier. Non seulement c'est vrai, c'est aussi pas cher du tout. 200 roupies pour tous ces poissons, c'est donné. Deux touristes de Delhi. Ah, ça fait du plaisir de parler en hindi après si longtemps. Voilà à quoi ça ressemble les barques en congé. Tiens, c'est malin. Le propriétaire de la barque a installé un rocher pour casser la citrouille. Oui, oui, même les vaches ont le droit de se bronzer. Il n'y a pas très longtemps, où la plage d'Auroville qui s'appelait Sérénité était un lieu où la nudité était pratiquée. À l'heure actuelle, on ne trouve que des vaches nues. C'est l'heure de la marée haute. Les vagues grimpent sur la plage petit à petit. Aimez la mer, attendez le prochain vlog où je suis allé acheter des crabes sur la plage de Virampatram. Hé, attendez, ne coupez pas, il y a le drone effect.